Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de Assassin's Creed Valhalla sur Xbox Series X. C'est parti, on va vous montrer ça. Allez, c'est parti, on va faire une nouvelle partie. Allez hop, aventure, explorer, éclaireur. On va prendre le premier. Alors, saga, viking, je sais pas ce que c'est ça. Expérience, on va prendre celui-là, le premier là. On va voir ce que c'est parce que là j'ai vu qu'il y avait plusieurs trucs, on dirait. Les options qu'on peut faire. Un mode histoire, je sais pas si on peut changer, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Bah, ça se passe au moment des vikings, ça on en est sûr. Ah, si vous êtes fan des vikings, de toute façon il y a des bonnes séries sûrement sur les vikings. Enfant des dieux, venez entendre mon terrible récit des prémices du. Alors, déjà ce qui vient c'est le jet en français. Tout était noir. Tout était vide. Ni terre, ni ciel, ni herbe, ni air. Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Et de ce hurlement surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os, et de son sang, et de sa cervelle, naquit le monde. Le monde où nous marchons et guerroyons. Te voilà. Allez, c'est parti. Alors déjà on est à la peau d'un un enfant. On dirait qu'il a trouvé un bracelet. Je sais plus ce que ça veut dire, ça, les bracelets des vikings. Je l'avais vu dans une série. Alors les Assassin's Creed c'est toujours pareil, hein. C'est un monde de l'histoire. Il y avait les indiens, il y avait quoi, il y avait les grecs, la France aussi. Alors graphiquement c'est quand même pas mal, c'est assez joli. Moi je le fais tourner là sur la Xbox Series X, ça rend pas mal graphiquement. Comment ça va se passer? Ah, te voilà ma petite reine. Bah, il y a un formulé. Tu as vu notre roi? Le roi des vikings. Ouais, viens. Approche. Tu as trouvé le brassard? Tu le regarderas et tu diras, roi Styrbjörn, puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu peux faire ça? Ah d'accord, il veut allier les deux clans. En lui donnant le bracelet, en cadeau. Tu seras la corde qui unit notre peuple. Je suis très fier de toi, Eva. Debout, Olaf. Les yeux, l'ami. Est-ce qu'on peut danser? Ah ouais. J'ai envie de me battre. On peut danser. Elle est pas mal. Allez, on va aller voir le roi là. Voilà. Mais tu n'as rien à voir. Viens, je vais te trouver ça. Je ne peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau! Ça doit valoir au moins deux robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Allez, c'est parti, on va aller voir le roi. Fais parler mon marteau. Si on y arrive à passer, bon. Est-ce qu'on parle avec lui? Je sais pas s'il faut parler avec ce personnage. Tu parleras au roi. Tiens-le dans la lumière, qu'il puisse en voir tous les détails. Tu vois là? J'ai gravé son nom en runes sur la partie extérieure. Tu lui montreras. Mm-hmm. Tu es vraiment comme ton père, petite berserker. Skål, mon ami. Skål. Tu vois, elle est d'accord.
On va pouvoir aller voir le roi là. C'est quoi ça, jouer? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il joue avec lui. Ah d'accord. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire c'est pas mal de choses. Alors par contre, je sais pas pourquoi il se met d'eau. Ah ça y est, il revoit son père. Hein. Alors, tu as le brassard? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille. Ah, c'est bizarre, le personnage de sa mère, on dirait, hein, ressemble à un autre personnage d'un jeu. Oui. Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin. Ah, je me rappelle plus du jeu là, qui était sur la PlayStation en ce moment. Ok, l'autre il a foutu en l'air. Cadeau à offrir. Bon, ça serait bien qu'on puisse amener des cadeaux quand même. Ça fait au moins 10 minutes que je veux amener le cadeau, mais impossible. Ah, ça y est. Eva, attends. Score ! Un Styrbjörn ! Le vrai roi de Rikard Pilke ! Ce soir, nous renaissons tous ! À mon avis, il va se passer quelque chose. Eva. Mon roi, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Oh. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Aldes rois, prêtez l'oreille. Les guerriers du... Cheval des flots, mes mots s'éveillent. Allez, c'est parti, ils sont partis pour chanter, là. L'hydromel et mille merveilles. Ton honneur chante, c'est pareil. Les braves tuent la Valkyrie en mer. Voilà. Le Valhalla, je crois que ça veut dire le paradis, je crois. Pour les Vikings. C'est là où il y a Thor, je crois. Parce que leur dieu, c'était Thor, je crois, si je me rappelle, les Vikings. Ah, je l'avais dit, une attaque. Oulou. Bats-toi, Eivor. Ton heure viendra. Ah, à mon avis, il va se passer pas mal de choses. Hein. Il y a tout qui va changer. On va être dans la peau de personnage là. Alors pour l'instant, c'est un enfant. On va pas pouvoir faire grand chose. La prédiction. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'hydre. Oula, ah ouais, il y a des combats dehors. Allez, comment c'est foutu? Qu'est-ce qui se passe? Putain, il a fait se faire couper en deux. Viens, Eivor. Ouais, c'est pas mal fait. Signe de combat. Ouais. Pas. Vite, arrête-toi. Je t'en supplie. Au galop. Vite. Alors, la vie. Le il faut attaquer. Il prend l'épée. C'est bon. Il a pas assez de force. Tu m'étonnes. Oh putain. Aïe aïe aïe. Le coup de hache. Aïe aïe. Attends ici. Il avait pas peur hein, avant. Putain. Le viking. Au combat, c'est vrai qu'ils avaient pas peur. Oula. Aïe aïe aïe.
attraper sa... sa mère. Oui, aïe. Si tu acceptes ton sort et meurs en large devant les tiens, j'épargnerai les autres. Pas toi, mon amour. Ne l'écoute pas. Ah, il n'a pas le choix. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varine. Non, Varine. Rantage. Oh, à mon avis, ça va sentir la petite vengeance du fils. Aïe, aïe, aïe. Ah, toute la famille. Oh, putain. Ouais, ouais. Je crois que le clan il est passé. Hein. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des visions. Qu'est-ce qu'il va avoir? C'est pas mal hein, l'histoire pour l'instant. Bon, c'est un petit peu banal. Comme d'habitude, quand même. Oula, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'action et ça donne envie de voir la suite. Oula, c'est quoi ça? C'est un loup? Par contre, le truc qui est bien fait, c'est les scènes. Les scènes d'action. Putain, il y a un loup. Putain. Eh ben, y'a. Ah, j'ai attrapé par le coup. Ah ouais, je m'attendais pas à ça là. Ok, il y a quand même qui attaque, je sais pas ce que c'est. Ah, il est dans la main. Je dirais qu'il est dans la machine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois deux flux de données. Hop, un petit succès. Ouais, la saga. Je sais pas pourquoi. Débute. Corrige ça ou sors-moi de là. Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment? Ah oui, c'est vrai, dans Assassin's Creed, souvent ils font des rêves, c'est des trucs de la machine. Un peu c'est comme dans la Matrix. Je peux laisser l'animus en identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Alors là, faut choisir quoi? Ah ouais, homme ou femme, d'accord. Hop. Ah ouais, là on choisit, on va commencer à faire le tuto, je pense. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Alors, on va voir comment ça se passe. Ah, les vibrations déjà. Ah, ah, ça y est, on voit le personnage. C'est Ragnar Lothbrok. Combien de temps? 18. Suis-je partout dans tes rêves? As-tu chauffé les reins? Alors c'est vrai qu'en ce moment, la saga d'Assassin's Creed, il doit en avoir un paquet. Je sais plus combien il y en a en tout. J'aimerais bien savoir lequel vous a plu le plus. Vous pouvez me laisser un message pour me dire lequel vous préférez. Je crois qu'il y en a beaucoup qui avaient bien aimé Assassin's Creed en Égypte là. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Oula. Tu finiras ta vie en esclave. Ah, mais c'est le mec qui a tué sa mère et son père. Et tu mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom l'ami des loups. De ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Ah, mais il l'a vendu. Le truc qui arrive, ça y est, il n'a pas dû le faire, ça, parce qu'à mon avis, il va s'échapper et il va revenir. Au moindre geste, je t'arrache les yeux, tu entends? Oh, il va s'échapper, à mon avis. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest.
Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est pas le mec qui est esclave, je crois, lui. Oh putain. Le personnage peut tirer à l'arc. Mon équipage est en danger. Hop, je vais regarder un peu les options vite fait. Alors, il a des compétences, des quêtes. Par contre, pensez à télécharger l'application d'Ubisoft si vous voulez avoir des costumes, des choses comme ça, ou des armes en plus, si vous avez des points dessus. Ça, c'est pas mal aussi. C'est une application gratuite. Ubisoft, je crois que c'était enfin, je sais plus comment elle s'appelle l'appli là, je crois que c'était Club Ubisoft, un truc comme ça là, l'appli, vous la trouverez de toute façon sur Xbox et elle doit être aussi sur la PlayStation. Et vous aurez des points de suite pour avoir des petits atouts, des choses comme ça, pour acheter des armes ou des costumes. Ça c'est pas mal aussi, si vous voulez commencer avec des coups de hache. Je mettrai le lien en même temps. On peut tirer sur les corbeaux. Merde, je l'ai raté. Et pas mal l'arc, alors. Bien fait le système. On peut prendre la. Hop, ok, il peut se lever. Tomber. Voilà, le gameplay a l'air pas mal déjà. Faudrait que j'apprenne à savoir me battre avec la hache. Hop, l'arc. Alors graphiquement ça va, il est quand même assez beau, même si je m'attendais encore à ce qu'il soit quand même un poil plus beau quand même. Hop, la jouabilité est pas mal aussi. La musique, y a rien à dire, c'est nickel. Comme toujours sur les Assassin's Creed. Alors, par où je dois passer là? Parce que je dois monter sûrement en haut, je sais pas. Je sais même pas où c'est que je dois aller. Hop, est-ce que c'est par là? Je sais même pas où c'est que je dois aller. Y'a pas une map? Si. Y'a une carte. Ça doit être par là. Alors, voyez-vous. Merde, il y avait un loup. Merde. Oula! Ouais, super, y'a un cerf qui m'attaque. Ça va être pas mal. Ah, je m'attendais pas à ça, c'est... Merde, c'est pas évident. Pas chance là. Non, ça va être pas mal, j'attendais à ce qu'on m'attaque à un loup ou un truc comme ça, c'est un cerf qui m'attaque. Voilà, ça ressemble aussi un petit peu à Red Dead aussi un peu. Ah, j'ai plus d'arc, moi, super. Viser, attaquer. Ah ouais, attaquer, ok, c'est avec ça. Ouais, par contre, le système d'attaquer est pas terrible, là, le truc de la hache. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. Oh, putain, je peux pas attaquer avec la hache. Alors, on doit aller où là? La vision. Je ne dois pas être vu par ici. Allez, viens ici, toi. Je l'ai découpé en deux, l'autre. Ce qui est bien, c'est qu'on sent bien les sensations. Comme le... Ah, on va prendre des flèches. Est-ce qu'on a des flèches spéciales ou... Ah ouais, quand dans l'arc, on sent bien avec les vibrations. C'est ça que j'aime bien, moi, surtout quand il y a des vibrations dans les jeux. La plupart du temps, ça arrive qu'il n'y ait pas de vibrations. Là, on le sent bien. Position, je sais pas ce qu'il vient, j'ai pas vu ce qu'il a marqué. Où c'est que je dois aller là? Ah ouais, je m'en approche, ok. Je dois être dans le camp des autres là. Je vais arriver, je pense à côté du. Ah ouais, j'ai la vue avec le corbeau.
Ah, c'est pas mal ça. Ah, je me rappelais plus de ça. Ah oui, il y a un bateau là-bas. Là, il y a la mission. Ah, c'est pas mal fait ça. Vision, boost. C'est quoi le boost ça? Ah ouais, la vision du corbeau, ok. Allez, c'est parti. Il y a de quoi faire quand même avec un jeu comme ça. Passer des heures et des heures dessus. Allez hop, ici toi. Attaquer. Quoi, je l'ai découpé. Quoi, le bras. Quoi, je vais couper le bras. Et avec le système d'attaque là. Alors, une cabane. On va regarder si on peut trouver des trucs dedans. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Hop, on casse tout. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien même. Hop, il y a des fleurs à prendre là. Je sais pas à quoi ça sert, les fleurs là. Ça va servir à faire des potions peut-être ou des trucs comme ça. T'as vu, essayer d'en tuer un à l'arc. Comme des pas tant que survivre. Allez hop, les deux en même temps. Allez, coup double, tiens. Est-ce qu'on peut récupérer des trucs? Fouiller, porter. Ah, on peut les porter, fouiller. Je me rappelle plus de ça. On peut les porter pour les planquer. Hop, comme à la Splinter Cell aussi. Ça me rappelle. Je pense que c'était le même des premiers jeux où on pouvait planquer les personnages. Enfin, par contre, il court bizarrement le personnage. Alors, est-ce que je m'en approche? Ouais, je suis pas loin. J'ai pas trop de vie par contre, j'avais pas vu. Mais... on se bat près d'ici. Trouvez votre équipage. Ah oui, c'est le bateau. On est arrivé. Oh, l'autre il est en train de l'éclater. Dag, vieux chien, tu es vivant. Ah, en fin de compte, on dirait qu'il va retrouver ses potes. J'ai en groupe de vikings. Et toi, Kjetve a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Valsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur de gloire, tu irais les sauver tout seul pour que l'on chante tes exploits. Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. Ouais, c'est parti, il va falloir attaquer. La bataille pour la voie du Nord. Ah, il va y avoir les zones, tout. Faut aller chercher l'équipage, on dirait. La quête, ouais. L'inventaire, est-ce qu'on peut le changer? Est-ce que je peux le monter ça? Un niveau. Bon, pour l'instant, on dirait pas. Ouais, c'est vrai que graphiquement, c'est quand même... je trouve que c'est quand même beau, mais je trouve que je sais pas, ça manque un peu de. Quand même, on tourne sur une nouvelle console. Quoique, je crois qu'il était sorti sur la... quand il y avait la Xbox One, non? Celui-là. Va sauver notre équipage. Parce que quand même, je pense qu'on peut faire plus beau mais quand même maintenant. Tout avec les nouvelles consoles qu'on a, que ce soit la Xbox S ou X ou la PS5. On peut faire des choses quand même beaucoup plus beau. Même si c'est déjà pas mal là, ce qu'on voit. Est-ce qu'on peut chasser dans l'eau? Ah, il y a des poissons. J'ai vu un poisson. Alors, on tire à l'arc à un poisson. Je reste ici. On peut nager. Est-ce qu'on peut plonger? Par contre, il fait tellement froid que... Oula. Ouais, le froid glacial, il faut que je sorte de là. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Donc, le froid... Oulala. Attends, ce gelé là. Je vais devoir reprendre le navire et sauver l'équipage moi-même. Allez, c'est bon. Et les autres là?
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut piquer un drakkar? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai mieux fait les drakkars. Ce briseur de serment retient mon équipage. On va les attaquer. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a rien. Oula. Par contre, quand il attaque, il fait pas semblant. On dirait un fou. Allez hop. Comment on rentre là-dedans? Bouge pas toi. Voilà, il faut combien de flèches là? Merde, allez, je l'ai eu. Oh putain, il a coupé la tête. Truc de malade. Il est bien gore le jeu par contre. Ah, y'a quelqu'un qui m'a vu. Ah bah là, si je rentre par la grande porte, à mon avis, ils vont m'éclater. Allez, on va passer par là. Le truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'ait pas mis une vue à la FPS. Alors, marquer les... Hein. Ouais, ça c'est marqué les... Ouais, hein. Regardez où ils sont. Ouais, on s'en fiche. Allez, hop. On va aller à la baston, direct. Le but, c'est de vous montrer le plus de gameplay possible. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Alors, il me dit qu'ils sont à l'intérieur. Je peux pas rentrer. Tirez sur lui. Putain, j'avais pas vu qu'il y en avait un là. À dégager. Je peux pas rentrer là. Je sais pas comment on fait pour rentrer dans le bâtiment. Par contre, il m'a l'air un petit peu blessé le bonhomme. Non? Ah non. Ah ouais. Il n'y a pas trop de vie là. Comment on fait pour se remettre de la vie là-dedans? Allez, on va faire un strike. Ah ouais, on voit les jauges. En fin de compte, vous mettez un coup mortel, vous pouvez voir s'il avait la jauge, si vous voulez le tuer ou non de suite. Merde, il y en a partout ici. Comment ça se fait qu'il me voit hein? Oula. Tiens. Il est mort. Par contre, il faudrait que j'essaie de trouver des trucs sur lui, là, c'est là. Fouiller. Bouclier. Alors, le bouclier. Est-ce que je peux le prendre? Le bouclier. Et même. Le casque, j'en ai pas. Ah ouais, on peut y mettre un casque. Bouclier. Voilà. Ça peut servir. Ah voilà, ça va me servir parce que le bouclier, c'est vrai que ça va me servir beaucoup. Par contre, ça me dit pas comment il faut que j'ouvre ça, moi. Je suis où là? Quelle zone? Ouais, je suis en plein dedans là, mais il me dit pas comment il faut utiliser arme secondaire. Arme secondaire, c'est tenu, hein, peut être utilisée indépendamment de celle de la main. Ah ouais, ok, ouais. Avec le bouclier, je peux me protéger. Ce qui est normal. Alors ce qui est chiant de l'Assassin's Creed, c'est que des fois on a l'impression que le mec il glisse. Ça c'est vraiment toujours le problème sur l'Assassin's Creed. Surtout qu'on monte de toit en toit. Enfin là ça fait bizarre parce que pour l'instant je sais pas avec ce personnage. Enfin je sais pas si il peut monter de toit en toit. J'ai pas vu faire. Alors par où il faut passer là? Il y a une charge avec le drakkar là, je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir par là. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gardes. Je vois toi. Il n'a rien moins. Est-ce qu'on peut. On peut pas y jeter la hache? J'allais dire le coup, il a découpé. Le tomahawk. Aïe 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 aïe, est-ce que j'ai pris là? Ouais, il m'a découpé en deux. Ah, revenir, recharger.
Ouais, il est sympa au Crobon, il est pas mal. Hein. Mais il faut le temps de s'y faire, hein. C'est vrai qu'il y a toujours pareil Assassin's Creed, le temps de recommencer. Se refaire la main un peu. Moi j'avais bien aimé, c'était le 3 là, c'est quand il était aux États-Unis. Avec les Indiens, il était pas mal. Ah merde, j'ai quoi, j'ai loupé. Oulala, le monde qu'il y a là. T'as bouge pas toi. Qu'est-ce que ça fait si on y tire sur le... Voilà, un de moins. Ouais, il faudrait peut-être que je planque les corps, mais j'ai pas envie. Transporter. Non, ça sert à rien. Allez hop, jette-moi ça là. Ah, j'ai pas beaucoup de vie à chaque fois. Oh la merde. T'approche pas. Hein, vilain. Là le cœur. Allez hop. Utiliser un corbeau. Non, je veux pas. Ils ont rien eux. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Oula. Il y a un archer en haut. Ici mon petit. Hop. On va jouer à... Hop. C'est celui qui tire le plus vite. Guerrier de Kyotve grouille à Avaldsnes autant que des poules. Je passe par la grande. Attends, j'ai envie d'essayer un autre truc. Merde, je voulais arriver doucement, je me suis fait avoir. Ah, j'ai plus de flèches. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tombé l'autre. Ah si, mais je crois qu'il y a le petit combo des fois. Non, il n'y a pas de combo là. Couler des coupes lui. Faudrait que je prenne des flèches. Ouais, pas mal, on croit l'histoire est sympa tout. Après, il faut s'y mettre dedans. Ça va prendre du temps parce qu'un jeu comme ça. Après une fois que la map est, va s'agrandir, il y aura des missions, il y aura de quoi faire. C'est ça qui est bien les Assassin's Creed, c'est qu'il y a toujours un truc à faire. Un de moins. On va faire toute la garnison. Pourquoi j'ai pas trouvé le truc pour monter? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que je peux monter par là? Non, je peux pas. Bizarre parce qu'on dirait que c'est ici. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Et ouais, mais je vois comment la porte. Il doit avoir un moyen de monter. Il devrait y avoir une ouverture dans le toit. Alors, ça croit. Ah, escalade. Ah, ça y est, on fait de l'escalade, ça y est, je cherchais ça tout à l'heure. Je me disais quand même, pour l'Assassin's Creed, il fait pas d'escalade. Et je vous dis pas, avec les mains comme ça, il doit bien se geler le mec. Alors, ça doit être ici, non? Pas là. Escalade. Hop, on s'est laissé tomber. Ma hache m'a ripé sur ta nuque. Ce serait dommage. Alors les angles de caméra, par contre, c'est pas trop ça. Il se planque derrière l'autre. Tranquille. Espèce de lâche. Libère-moi et donne-moi une hache. Je ne te dois rien, fiant. On peut pas l'avancer, ça. Quitter, rejoindre. Non, on peut pas. Ah non, on peut pas. Ton clan ne compte que on peut pas avancer les scènes cinématiques. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Ah, Odin. Ah oui, c'est vrai. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Oula, la jauge qu'il a, lui. Cool, la chose qu'il a, lui. En plus, j'ai pas de... Hop. Esquiver. Appuyer. Ok.
Là, je vais essayer de le bloquer. Oh, quoi, il m'a éclaté. Quoi, le niveau qu'il a l'autre. Ouais, il va falloir trouver des armes, c'est pour le tuer, parce que c'est pas avec ma petite hache là que je vais aller loin. Ouvrir le menu, recharger, ouais. Il s'est fait éclater les gars. Voilà, c'était pour vous le montrer, pour vous dire qu'il est vraiment pas mal. Moi, je vous le conseille si vous aimez l'Assassin's Creed. Voilà, il va être fait pour vous. Voilà. Ouais, je vais essayer de tuer lui là, si j'y arrive. En plus, le problème c'est que je suis bloqué à cet endroit là et j'ai pas beaucoup de. Oh, faut que j'esquive. Je vais essayer de le. Je vais essayer de le tuer, on va voir si j'y arrive. Ah oui, il faut l'attaquer. Ah oui, j'ai compris. Il faut en profiter pendant qu'il a. Hop, j'ai réussi. Ah ouais, je vais essayer d'en profiter. Oula. C'est fraîche. Les flèches, vite. J'ai vu ce qu'il se cache alors qu'il est devant le. Ah, je vais l'attaquer. Ah ouais, mais il a. Il a deux marteaux en plus. Oh putain, c'est pas le moment de me faire avoir. Allez, c'est parti. Hop, on va l'avoir. Ça y est, on a réussi à l'avoir les gars. Cool, coup de marteau qu'il a mis. Deux coups de marteau en pleine tête. On a réussi, il va prendre la hache, ça doit être la hache de son père ou de sa mère, je sais plus. Ah, de son père. Tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non. Non, Varin. Non. Elle se rappelle les souvenirs de son père avec sa mère. Tuez-les tous. Ah là, graphiquement, c'est quand même un petit peu plus beau là. Bizarre. Le passage là, est vraiment beau. Pas mal. Avec le loup là. C'est sympa. Ah, il y a des visions là, c'est quoi. Zone. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça y est, il y a des rêves. Ah, c'est bizarre ça. Il faut aller voir vite fait là, ça, ça m'intrigue là ça. Est-ce qu'il est dans une machine là, comme d'habitude ils sont dans ça? Ok, il y a un arbre. Ouais, il est dans un rêve là, on dirait. Libère-nous! Ouais. Ah, oui, bien sûr. Ah, il avait des visions bizarres là. Voilà, c'était pour le montrer, les gars. Hop, on peut mettre. On va rajouter des trucs, on va voir. Comment ça fait. Si on arrive à le mettre. Inventaire. Inventaire. Est-ce qu'on peut lui mettre quelque chose? Ça, je l'ai pas. Ça, on peut y changer. Ouais, j'en ai pas mis, mais c'est pas vrai. là. Ah ouais, là, il est beaucoup mieux, là. Ah, il ressemble à quelque chose, là. Là, je vais voir. On va y mettre cela. Voilà. Ah, là, il ressemble à quelque chose, là. Là, le bouclier. Ouais, c'est vrai que ça peut servir, quand même. Ça aurait pu me servir, tout à l'heure. J'aurais dû le mettre. Hop, les haches. Est-ce qu'il y a la puissance de hache? Une petite hache. Ouais. Voilà. Hop. La petite veste qui va bien avec. Voilà les gars, je suis équipé là. Là je ressemble à un vrai viking, vous voyez. Vraiment pas mal. Voilà. C'est vrai graphiquement je le trouve plutôt moyen là. À des moments. Ouais. Voilà, sur ce coup moi je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à me laisser un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne, MultiFrank77. Sur ce coup moi je vous dis à plus. Ciao.